Mario. Mario qui joue Félix dans Le Père Noël est une ordure. On t'a vu au théâtre, on s'est parlé ici l'année passée. Oui, oui. Tu me racontais que tu avais envie d'explorer le théâtre. Oui. Donc, tu as écrit Kilimanjaro. Oui. Tu as joué dans la pièce, rappelle-moi, avec Diane Lavallée, qui s'appelle Le Grand Virage. Le Grand Virage. Que j'avais écrit aussi. Si, ouais, également. Comment t'as trouvé ton été passé? Parce que l'année passée, tu me disais, j'ai hâte là, de jouer sur scène et tout ça. Comment t'as trouvé ça l'été passé? Écoute, j'adore ça. C'est vraiment... C'est différent. Puis, mais ça demeure la scène. Ça demeure un contact direct avec le monde. Puis un événement d'un soir, cette pièce-là, bang, on l'a fait. Tu sais, à chaque soir, c'est quelque chose d'un peu d'unique. Alors, c'est... écoute, j'ai vraiment trippé. Puis de jouer avec d'autres mondes aussi, ça fait... Ça fait changement, ça amène. Ouais. Ben oui, ça alimente la performance un petit peu. Et là, tu es de retour dans Le Père Noël est une ordure. Comment tu as réagi quand on t'a dit, Mario, tu vas jouer Félix? Bien, c'est ce que j'ai très bien réagi. Ce que je me pose de plus en plus de questions, c'est quand je dis aux gens, ouais, je joue là-dedans. Ah, tu fais Le Père Noël? Alors, je commence à me demander si j'ai vraiment un casting de Père Noël ou pas. Ou s'ils connaissent bien la pièce. Ouais, ça doit être ça. Fait que ça, c'est un petit peu moins facile à prendre. Mais écoute, non, c'est un pur bonheur parce que, de un, c'est un classique. De rejouer ça, ça fait comme « wow », c'est un beau défi. De l'adapter à la sauce québécoise aussi, là, ça a été un gros défi, surtout pour André Robitaille. Puis la gang, c'est un trip. C'était une création de troupe. C'est une troupe qui a créé ça, dans l'ambiance d'une troupe de théâtre. Et là, nous autres, c'est ça. C'est une gang. On est comme une troupe de théâtre. C'est fantastique l'ambiance qu'on a, là. Juste savoir vos sourires depuis tantôt. Est-ce que ça se joue déjà des tours? Oui, puis ça... Des fois, on passe quelque chose, tu sais. Puis là, André dit, OK, wow, faut revenir. Même lui, c'était pas dans le texte? Non, mais même lui, on embarque sur des affaires, puis là, on fait, OK, là, on est rendu trop loin, là, on s'amuse. C'est vraiment trippant à faire. Puis, mais on a, c'est tous des pros, là, tu sais, c'est quelque chose. Moi, je m'amuse tellement à les voir jouer. Je vois jouer Claude Préjean, je fais, wow, tu sais, José Deschênes, là, elle est fantastique. Tu sais, quand tout le monde, là, tu sais, Pierre-François, moi, il me renverse quand il joue le travesti. Là. Il est bon. Fait que des fois, il faut que je me dise, OK, reste là, là. Arrête d'être spectateur, là, puis sois dans la pièce. Là. Fait que c'est qu'à l'inverse se produit aussi, ben, parce que tu ne donnes pas ta place. Bien, peut-être, tant mieux. Pour moi, je suis flatté, mais moi, je te dis mes sentiments, là, c'est ça. Alors, je pense que les gens qui vont venir voir le show vont avoir le même sentiment que moi. Là. C'est vraiment... Une belle troupe, une belle gang. Et tu interprètes un rôle qui n'est pas facile et qui est dans la tête des gens associé à Gérard Jugnot. Comment tu as apporté ta couleur à toi? Surtout que je te connais pas personnellement, mais j'ai l'impression que c'est un peu loin de toi, là, ce rôle-là. Là. Oui, c'est pas la même, mais c'est une énergie de fun. Mais c'est le fun. En fait, quand tu l'acceptes et tu dis, gars, je fonce, là, c'est le fun de jouer le fou un peu. Tu sais, de jouer la folie, de jouer le gars qui l'impulsif, le gars qui change d'opinion, qui change d'attitude à tout bout de champ. Il y a quelque chose de fun à jouer. Fait que je l'ai abordé comme ça, puis je m'amuse à le faire. Puis on pousse au bon moment, puis on ramène quand on va trop loin. Puis, tu sais, là, on est là-dedans, là. Mais c'est vraiment un gars qui se vire de même sur ses émotions, tu sais. Puis, wow! Mais il faut que tu embarques avec le plaisir de le faire. Et avec aussi, tu as parlé des comédiens, mais avec Brigitte Lafleur qui joue Zézette, oui. Dans un sens. Oui. Ça se passe comment, vous deux? Parce que c'est pas mal avec vous deux que ça se passe, la majeure partie de l'action. Ouais, mais j'en ai beaucoup aussi avec Thérèse. J'en ai... mais tu sais, on a essayé de ramener... C'est sûr que si vous voyez le film, il y a bien des scènes qui sont pas là, évidemment. Ils sont ramenés dans la pièce. mais elle est bien dure à jouer, Brigitte, parce que... Elle zozote, puis elle a un dentier, c'est complètement fou quand elle rentre. Elle a une énergie dans le tapis, là, tu sais. Fait que c'est... mais ça se passe bien, ça se passe très, très bien. Et là, es-tu prêt pour la tournée? Parce qu'on a vu Les Voisins, ce que ça a donné. On a vu le Dîner de cons. Là, j'imagine que ça va s'en aller vers ça. Bien, j'espère. Pour moi, j'espère pour le public aussi, parce que c'est des belles pièces, c'est des belles productions.
Monarch fait quelque chose, tu sais, le producteur font toujours des belles productions. Regarde, l'affiche, c'est beau, là. C'est... Moi, j'ai beaucoup de commentaires sur l'affiche, là. Tu sais, fait que là, tu fais comme, wow, OK, ça donne le ton à un bon show, une belle affaire. J'espère qu'on va jouer longtemps. Moi, c'est dans mes définitions de l'art, c'est-à-dire que l'art existe si elle est vue, tu sais. Et plus elle est vue, plus elle est diffusée, plus mieux c'est, tu sais. On a ramené les gens au théâtre. T'es content de ça? Oui. Parce que, tu sais, l'humour, le théâtre en été, c'est les premiers, en première ligne de la culture, tu sais. Fait que là, on va chercher le monde, on lui montre ça, puis plus on leur montre de la qualité, plus après ça, ils vont voir d'autres choses, puis ça déborde ailleurs, tu sais. Fait que, c'est ça un peu notre rôle aussi, tu sais, d'amuser le monde puis les amener à consommer des trucs de qualité. Bien, c'est parti. Puis là, après deux étés, peut-être trois à jouer au théâtre, on peut dire qu'on va te retrouver là aussi un peu. On aime ça, nous autres. Ben oui, puis je lâche pas l'humour. Je commence à écrire mon nouveau show. On commence des petits rodages. Je travaille avec Marthe Laverdière sur son show. C'est le fun. Ça fait que c'est toutes des belles affaires. Bien, on est content, hein, Mario? Merci, puis merde pour cet été. Je te dis pas merci. Tu vas être magnifique.